C'est un nouveau septembre noir. En 10 jours, la garde nationale du président Somoza reprend les villes qui étaient passées sans coup férir aux mains de quelques guérilleros descendus des montagnes. L'opération des révolutionnaires a tourné à l'insurrection populaire. L'armée engage des armes lourdes, l'aviation et les blindés. Des cortèges de fuyards tentent de quitter les lieux des combats. C'est l'heure du massacre. Qu'est-ce qui se passe, madame? Et vos enfants, ils ont pu se sauver? Vous avez 3 enfants. Et où sont-ils maintenant? Plusieurs villes, Masaya, León, Matagalpa et surtout Esteli, sont en ruine. Après le pilonnage, alors que toute résistance armée a cessé depuis longtemps, la garde nationale se livre à une impitoyable répression. Elle liquide sur le champ tous ceux qui ont pu participer à l'insurrection. Pourquoi l'ont-ils tué? Qui l'a tué? Una guardia que pegaba fuego ahí y después culateaba las puertas, sacaba a las madres y le decían fuera a todas las mujeres y déjenme a los hombres aquí, hínquense todos en fila, sacando cada uno la guardia hincados de rodillas. Y como mi niño estaba más pequeñito, el balazo era por aquí. Ay, el mío lo tengo enterrado allá, mire. Lo sacaron y lo mataron arrodillado, eran 3, eran 4 donde lo sacaron a ellos y le dieron 2. A esta calle recta, mire, estaba muerto en la calle. 2 cuadras de aquí, mire, lo sacaron y tenía 15 años mi muchachito. ¿Pourquoi l'ont-ils tué? Por gusto, es que no andaba en estas cosas, si era chavalito. Lo hincaron, mire que lo hay arrodillado, muerto. En la otra casa estaban mis hermanos también y por nada los mato. Fue un milagro de Dios que no lo hayan matado. Yo gritaba y le pedía a Dios que no me los mataran a mis hermanos. Y fue un milagro de Dios. ¿Cómo no le pedí a Dios que no me los matara? Estaban ahí cerca los malditos asesinos. Solo les decían que se salieran y los mataban. Le président Somoza nie avoir bombardé les villes. « Je n'ai pas une véritable aviation », déclare-t-il. Or, nous avons réussi à photographier ces avions sur l'aéroport de Managua. Des Casas de fabrication espagnole. Des Arava israéliens. Des bombardiers B-26 de la dernière guerre. Des jets américains T-33. Mais comme les insurgés n'avaient aucune défense aérienne, c'est avec de simples Cessna de tourisme que les roquettes ont été larguées à basse altitude. los guardias andan drogados, andan bolos y les importa nada, no, son unos asesinos. Lo peor es la aviación, en 8 días que nos voló, si ustedes registran casa por casa cómo está y pegaron fuego, esto no tiene nombre las naciones del mundo, deben de protegernos, esto es demasiado. Si esto debía haber sido por tierra, nunca hacer esto que hizo este hombre. Ya le digo, hasta el día en que él bombardeó, nosotros éramos liberales y éramos con él, pero al ver este crimen que ha hecho, no. Ni que nos cuenten. ¿Sabe que nos van a dar? Hasta pésame nos van a dar y van a decir que son ellos los comunistas. Aquí nada, en mi casa los sacaron adelante. Nosotros estábamos encerradas y los pobrecitos, vea, murieron por nosotros. Correcto. Una abuelita en la misma. Socorrista de la Cruz Roja de aquí, nicaragüense, filial Estelí, y presté servicio toda la temporada que nosotros estuvimos bajo guerra. ¿Dans quelles conditions avez-vous pu faire votre travail? En condiciones muy adversas a las que tiene la Cruz Roja, o sea que no teníamos garantía de ninguna clase, estábamos imposibilitados a movernos porque las garantías eran para nosotros nulas. ¿Los soldados de la Guardia ont tiré sur vous? Sí, los soldados de la Guardia dispararon sobre nosotros, matándonos en la unidad de la Cruz Roja a una paciente. Y nos quitaron una paciente, un herido civil, por el hospital, y de ahí lo ametrallaron a nosotros, intimidándonos a nosotros, pues la Guardia Nacional. Aviez-vous les moyens de vous protéger des avions? Sí, de las casas, pero protegerse por las paredes, pero no le valía nada. Las paredes nosotros nos protegíamos a las casas nada más, pero no había favor porque siempre caían, las hacían los hoyos así, mire las balas. Finalement, est-ce que vous avez eu le temps de vous enfuir? Sí, teníamos tiempo para huir, cuando se calmaba un poquito el avión. Mais après le premier bombardement? Sí, después del bombardeo, el avión que se calmó un poquito y se retiró el avión, entonces salimos huyendo y de ahí íbamos por montes, asombrados a los montes para que no los mirara el avión, porque donde miraba a los grupitos de gente, bombardeaba el avión. También a los grupos huyentes. Sí, a los grupos huyentes, sí. Vamos, toquémoslo, llevámoslo para la casa. Este es obra del Hitler de Nicaragua. Sí, hombre que con nadie se mete, un honrado trabajador que solo trabaja a su casa. Dale, loco, señal. Ah, me veremos. Ay, ¿cómo te quitaron la vida? Ces ruines sont celles d'Esteli, la ville la plus touchée. Pas une seule maison du centre n'a été épargnée. Les bombardements et les combats ont fait quelque 3000 morts. Les survivants nous interpellaient dans la rue, malgré les risques, malgré les mouchards. Ils tenaient à nous faire entendre ce cri de détresse et de colère. Il faut dire une chose au monde, que cette destruction d'Esteli, ce n'est pas les sandinistes qui ont fait ça. C'est la Garde nationale qui a fait tout ça. Le 19, il y avait un avion qui disait il ne faut pas sortir de ces maisons parce que la garde nationale va combattre. Alors tout le monde se réfugiait dans les maisons et envoyait 3 ou 4 avions pour bombarder toute la ville. Ils n'avaient pas bataillé dans les rues, ils se bataillaient des avions. Toute la ville, on l'a mis dans le palme pour faire toute la brûlette de la ville ou quoi. Il y avait des bombes, des roquettes, des métrailles. Et tout ça contre les civils parce que les sandinistes sont partis, il y avait 5 jours à peu près qu'ils étaient partis de la ville. Alors ils sont restés seulement les civils ici, les femmes, les enfants, les anciennes. Ils nous ont combattus comme si nous étions de notre pays ou quoi. tout à fait comme en Allemagne, le temple de Hitler. À part la garde, quels sont les appuis dont dispose encore ce Mossad dans cette ville, par exemple? Rien. La garde seulement. Il n'y a personne qui l'aime ici. C'est une armée d'occupation. Si. Il y avait des combattants d'Honduras, de Panama, des Cubains, de Miami. Il y avait beaucoup des Américains ici, dans l'invasion. Vous les avez vus? Et nous avons vu des Panameños, des Dominicains, des Hondureños. Il y avait des mercenaires de toutes parties ici. Et vous avez l'impression que toutes les maisons étaient attaquées sans distinction? Sans distinction, oui. Parce que moi, je suis la fille aînée d'une colonel de la garde nationale et ils ne sont pas respectés ça. Quel est le sentiment de la population aujourd'hui? Moi, je crois qu'à ce moment-là, tout le monde, je ne sais pas, ils sont égarés ou quoi, ils ont peur de la garde. Tout le monde est parti de Steli. Il y avait à peu près 1000 voitures qui sont parties de Steli hier et avant-hier. Nous partirons demain pour Managua. Ce Mossad affirme qu'il combat le communisme. Mais nous, les Nicaraguayens, nous ne croyons pas cela. C'est un conte de fait ou quoi. Ce Mossad affirme que c'est un second Cuba ou lui. Non, c'est lui seulement qui est le problème ici. Mais nous, nous voulons avoir un autre gouvernement comme les autres pays, avec des démocraties ou quoi. Je crois qu'il y a 7 à 7, 44 années de dynastie ou quoi, ici. Ces images ont été tournées au marché de Masaya, avant l'offensive de la garde nationale, quand la ville était aux mains des insurgés. Les avions ont largué leurs bombes et leurs mitrailles en plein midi. Dans cette seule ville, on estime qu'il y a eu environ 1500 morts. Et voilà aujourd'hui ce qu'il reste du marché. Quelle attitude avait la population lorsque les sandinistes contrôlaient la ville? Il y avait un moment où je priais pour que les sandinistes gagnaient la guerre ou quoi. Parce qu'ils étaient vraiment gentils avec nous. Nous étions 8 jours avec les sandinistes ici, jusqu'ici, dans ce quartier et tout ça. Et ils étaient très aimables avec nous. Ils nous apportaient des aliments. Et ils étaient gentils avec tout le monde. Il n'y avait personne mort par les sandinistes ici. Vous avez l'impression qu'une partie importante de la population sympathisait avec eux? Je crois que les 99% ont sympathisé avec les sandinistes ici. Le Frente Sandiniste, c'est un mouvement communiste, quoi, je crois. Mais il a de toute façon l'admiration de tous les peuples nicaraguayens. En fait, les véritables guerrilleros formés militairement étaient peu nombreux, quelques dizaines peut-être. Ils n'espéraient pas vaincre ce Mossad par les armes. Mais ils voulaient tenter un coup d'éclat pour quelques heures, pour quelques jours. La plupart se sont retirés avant l'arrivée de la garde. Ils ont regagné sans grande perte leur maquis des montagnes. Tout indique qu'ils ont été dépassés par l'enthousiasme et la détermination de la population. Dépassés surtout par l'ardeur des muchachos, des adolescents qui résistèrent avec leurs armes dérisoires. Ce qui nous donne le courage de combattre, sont les 44 ans de robo et d'exploitation de la dictature somocista. Est-ce que les gens vous ont aidé? Recibimos la ayuda del pueblo. Precisamente estas armas, compañeros, estas armas, y me gustaría que el compañero las enfocara, estas armas son donadas por el pueblo, son donadas por toda esta masa explotada, por toda esta masa honesta y sincera y que se ha caracterizado ser combatiente por más de un siglo, por más de antes que vinieran los españoles a colonizar Nicaragua. Mire, en primer lugar, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, vanguardia del pueblo nicaragüense, hace suyo los intereses de todos los sectores explotados. Hace suyo el interés del obrero, del campesino, de todos aquellos artesanos que son explotados misericordiamente por la dictadura militar somocista y por la burguesía oficialista. Y nuestra causa es justa y que así puedan saber todos los pueblos del mundo, de Latinoamérica y todos los hermanos del mundo, que la justa lucha de Nicaragua es por la liberación de la humanidad. Compañeros, patria libre o morir es nuestra consigna. La marcha hacia la victoria. ¡Viva el pueblo ucraniano! ¡Soy fuerte para el pueblo! De quel milieu social provenez-vous? De la classe sociale basse. Mon père est électricien, ma mère servante, et je suis l'aîné de 6 enfants. Nous autres, les prolétaires, nous ne pouvons pas vivre dignement comme des gens normaux. C'est pourquoi on s'est vu dans l'obligation de nous organiser, d'organiser le peuple exploité du Nicaragua. Car chaque jour, il se commet des crimes dans ce pays. On viole des femmes, on assassine des paysans, on les emmène en hélicoptère et on les jette au-dessus de l'océan Pacifique. Alors nous tous, Nicaraguayens, nous nous sentons obligés de poursuivre cette lutte contre la dictature. Comme dit notre consigne, notre patrie libre ou la mort. Dans les conditions où vit ce pays, nous nous sommes rendus compte que tous les moyens de lutte civique, pacifique, n'aboutissaient à rien. Nous nous heurtons à une muraille de fer. On ne nous a laissé aucune marge de manœuvre pour une action légale. On nous a contraints de recourir à la lutte armée. Nous avons choisi cette voie, bien que nous sachions que beaucoup d'entre nous tomberont en chemin. Ce n'est qu'à ce prix que nous détruirons l'appareil répressif de la dictature. Face aux muchachos, voici les hommes de Somoza. Ils disposent d'une armée de 8000 hommes bien équipés et entraînés. Les recrues sont enrôlées à l'âge de 15 ans et soumises à un drill intensif. La plupart sont issus de familles pauvres. Monter en grade est leur seul espoir de promotion sociale. Nous avons une formation militaire minime. C'est au cours de la lutte, ces derniers temps, que nous avons suivi les entraînements massifs organisés par le front. Ça s'est fait en 2 ou 3 nuits. On nous a juste appris à charger, à décharger, à tirer. On nous a appris à utiliser les armes employées par la garde dans l'espoir de les récupérer après lui avoir infligé les premières défaites. Mais on s'est entraîné surtout avec des armes toutes simples, des pistolets, des fusils. Mais est-ce que ce n'est pas un peu suicidaire que d'affronter des tanks, des avions avec des armes aussi légères ? Non, il faut bien voir de quoi il s'agissait. Certains de nos camarades voulaient affronter la garde de front, quitte à mourir au combat. Mais nous avons essayé de les dissuader. Vaincre la garde avec nos armes, on n'aurait plus de chance de faire chanter un cheval. Il s'agissait pour nous de harceler les soldats, de les attaquer en divers points avant de se retirer. Il fallait miner le moral des combattants. Pour cela, les femmes, les enfants ont joué un rôle quand ils insultaient les hommes de la garde. On invitait les plus jeunes, les moins déterminés à déposer l'uniforme, à nous rejoindre dans la lutte. Vous savez, leur morale est très bas. Si la préparation militaire était quasiment nulle, elle était bien meilleure au plan politique. Depuis des années, le Front sandiniste et d'autres organisations de gauche se sont implantées dans les quartiers populaires. Depuis longtemps, la police a renoncé à faire effacer les inscriptions révolutionnaires qui couvrent les murs. Là, au mois de mai, on a eu une assemblée avec d'autres organisations d'ici, de ce quartier. Et ce quartier, il a un haut niveau d'organisation. Il y a des organisations de jeunesse, il y a des organisations de femmes aussi. Et on s'est fait réprimer par la police qui nous a réprimés avec des bombes lacrymogènes. Même il y avait des femmes et des enfants. Peut-être je pourrais dire quelques mots sur Rampronac, que c'est une association de femmes qui se sont organisées, pas pour lutter seulement pour ces revendications comme femmes, mais surtout pour lutter contre la répression que fait la dictature dans toutes les populations. Au début, on l'a fait autour des dénonciations de la répression sanglante que faisait la dictature, surtout à la montagne, où des familles entières ont été complètement effacées, des villages aussi. Et maintenant, nous nous organisons dans chaque quartier de la ville, surtout dans les quartiers populaires. Nous sommes ici dans un quartier populaire, il y a un groupe de femmes qui s'organisent, qui font des cliniques pour des soins en un moment où il y a la répression. Et peut-être je veux profiter de ce moment pour faire un appel à toutes les organisations de femmes et les organisations politiques en Europe, surtout en Suisse, pour qu'elles montrent son appui avec la lutte du peuple nicaraguayen. Quel âge ont les garçons qui ont pris part au combat dans ce quartier? De 17 par abajo, de 17 à 12, à 13, de mi tamaño hasta 17. Et tu, par exemple? 13. 15 años. Nosotros somos los menores. Los menores, de ahí hay de 17 y 18, así. Pero no hay de 20. Pues. ¿Este es el mayor? Este es el mayor. ¿La altura? Et qu'est-ce que vous avez fait ici, dans ce quartier? Aquí en el barrio, nosotros hemos estado levantando una lucha frontal y decidida contra la dictadura, pues. En parte, lo hacemos contra los esbirros de aquí de la colonia Nicaragua, los orejas, pues, en otras palabras. Nosotros teníamos un día de esto, pues, metiéndonos a otro caso, teníamos bloqueado el bypass. La Guardia Nacional estaba en los palos, en las casas, y en el diálogo, un bar que hay por ahí, ¿verdad? Cuando nosotros teníamos bloqueado el bypass y comenzamos a correr por las balas, ellos comenzaron a hacer una masacre, pues francotiradores tiraban a matar, pues, y nosotros nos escondimos, en otras palabras, pues, y comenzamos a atacar con nuestras bombas de contacto, pues. ¿Qué es una bomba de contacto? Bombas de contacto son armas que defienden a nuestro pueblo, pues. Van compuestas por una serie de productos químicos que nosotros utilizamos para defendernos. ¿Y quién fabrica ces engins? Aquí la hacemos todos, pues, la hacemos todos. Y somos ayudados por el sector, pues, que por medio de que ellos nos echan dinero, nosotros compramos material y así las hacemos, pues. ¿Vous n'avez pas peur de mourir au combat? Bueno, nosotros ahorita no estamos pensando en morir, pues, porque más vale vivo que muerto, pues. Nosotros estamos en una lucha frontal y decidida. Si morimos, morimos, pues, pero no vamos a morir de una manera, como le dijera yo, de una manera fácil, pues. Vamos a morir combatiendo, pues. Ce tract est distribué par la Garde nationale. On offre 5000 cordobas, le salaire d'une année pour un ouvrier, à qui dénoncera les sandinos communistes. Contribuer à maintenir la paix au Nicaragua, conclut le document. Intenso el patrullaje aquí a cualquier hora de la noche. Nosotros miramos 2, 3, 4, 6 patrullas patrullando la colonia. Les patrouilles sont nombreuses ici. Chaque nuit, il y a 2, 3, jusqu'à 6 passages de la garde dans ce quartier populaire de Managua. Nous considérons qu'après 8 heures du soir, l'heure du couvre-feu, nous vivons ici dans un camp de concentration. Quelqu'un qui se trouve chez lui dans sa maison et qui se tient devant sa porte ouverte se fait réprimer. Les soldats lui ordonnent brutalement de rentrer, de fermer la porte, d'éteindre la lumière et de dormir. Comment pourriez-vous résumer l'espérance de ce peuple dans les quartiers populaires? Notre espérance, nous la plaçons dans le front sandiniste, qui est appuyé par les masses populaires. C'est lui qui doit gagner le pouvoir dans ce pays. Mais vous, en tant que chrétien, vous n'avez pas peur du communisme ? Pas du tout. Parce qu'à la fin du compte, je crois que le christianisme et le communisme ont quelque chose en commun. Je n'ai aucune peur du communisme. La croisade contre le communisme que prétend mener Somoza n'est qu'un alibi à sa passion du pouvoir, à sa soif de richesse. Ses officiers, leurs familles, quelques courtisans dans l'administration, ce sont aujourd'hui les derniers soutiens du dictateur. C'est le dernier carré qui s'accroche à ses privilèges exorbitants. Le clan des Somoza assiste ici à l'enterrement d'un général, ambassadeur du Nicaragua au Guatemala, où il fut tué par les guerrilleros de l'armée des pauvres. Le président Somoza n'a pas participé à cette cérémonie. En fait, il ne quitte pratiquement plus son bunker sans fenêtre, terré dans une colline complètement retranchée. Ces rares déplacements ne se font qu'en hélicoptère. Nous l'avons rencontré dans son souterrain où trône le portrait de son père, dit Tacho, mis au pouvoir par les Américains en 1934, assassiné par un paysan sandiniste en 1956. Vous contrôlez le pays sur le plan militaire, mais politiquement, en revanche, plus que jamais, vous paraissez plutôt isolé. Ce n'est pas votre avis ? Non, je ne crois que politiquement je sois isolé. Antes de que comenzara esta violencia, yo estaba teniendo reuniones con los directivos del Partido Liberal Nacionalista en todos los departamentos. Solo me faltan 4 departamentos que reunirme con ellos para llevar al partido a un plebiscito dentro del partido para elegir nuevas autoridades. Y nadie faltó a esas citas. Mais même une partie du secteur patronal s'est engagée dans la lutte contre vous. Comment expliquez-vous ce phénomène? Bueno, siempre Nicaragua ha sido dividido entre liberales y conservadores. Los conservadores que han estado fuera del poder se han dedicado a los negocios particulares y ellos han sido ayudados por el gobierno. Y ellos son los que tienen la mayoría de los negocios, pero no hacen la totalidad. Así es que también está dividida la opinión entre industriales, entre capitalistas, entre agricultores. Ce que vous dites là vaut peut-être pour les cadres politiques du pays, mais quand vous pensez à votre peuple, comment jugez-vous l'attitude qu'il a aujourd'hui face à vous, après les événements tragiques que l'on sait? Bien, yo veo la actitud del pueblo de Nicaragua, una actitud en el sentido de que el pueblo le ha dado las espaldas a estos señores que optaron por la violencia, porque de no haberle dado las espaldas a estos señores, la Guardia Nacional no pudo haber reconquistado las ciudades. mais le sang de nombreux innocents a coulé. Est-ce que ce fait ne remet pas en cause votre position politique dans ce pays? Todavía estoy por ver esa modificación, porque nosotros le dimos suficiente tiempo a la ciudadanía inocente que se apartara de donde estaba el francotirador en la ciudad y donde venía el soldado que venía a neutralizarlo. Claro que ha sufrido gente, y yo lo siento muchísimo y considero un acto criminal de estos señores de provocar esta situación en la parte urbana. En fait, le sang n'a pas fini de couler. La répression se poursuit aujourd'hui encore, bien après la fin de toute résistance armée. La garde multiplie les contrôles, les perquisitions, les arrestations, les enlèvements, les exécutions sommaires. Tous les jours, une queue se forme devant la caserne de police de Managua. Ces hommes et ces femmes essayent d'obtenir des nouvelles de leurs proches disparus. Leur tragique inquiétude n'est pas sans fondement. Voici un document accablant. Il s'agit d'une commande de la garde nationale à une entreprise spécialisée. 200 sacs en plastique pour emballer les cadavres, avec une capacité d'une personne, format 105 sur 200 cm, calibre 26, une note précise, pour usage au quartier général de la police à Managua. La Prensa, c'est le titre d'un journal aujourd'hui célèbre. Depuis des années, les rédacteurs de ce quotidien font apparaître le vrai visage de la dictature. Il est devenu le point de ralliement des opposants à Somoza. En proclamant la loi martiale, le gouvernement a aussi imposé la censure de la presse. Tous les jours cependant, les rédacteurs font leur travail et soumettent une épreuve aux censeurs. Ceux-ci marquent d'une croix tous les articles, tous les titres jugés inacceptables. Le journal est ainsi empêché de paraître. Le gouvernement croit que le journal, c'est un danger pour la paix du pays, et pour le système somociste. Et tous les jours ici, on fait des publications pour faire la dénonciation de tout ce qu'on fait dans le pays, pour le gouvernement et aussi pour la garde nationale. Donc le journal, tous les jours, fait des publications pour dire au peuple toutes les violations qu'il y a des droits humains ici au Nicaragua. Donc, tous les jours, il y a un danger pour les journalistes. Êtes-vous personnellement menacé? Nous croyons que tous les journalistes qui travaillent ici ont un danger. Le 10 janvier, par exemple, a été tué le directeur Pedro Joaquín Chamorro. Il a été tué ici, mais nous croyons que nous avons la protection du peuple. Par exemple, le jour qui a été tué le docteur Chamorro, le même jour, plus de 80 000 personnes ont pris le corps dans l'hôpital pour la transporter à la maison. Pedro Joaquín Chamorro était le plus prestigieux des ennemis de Somoza. Son assassinat le 10 janvier 1978 et surtout l'explosion de colère populaire qui s'ensuivit relancèrent vigoureusement la lutte contre la dictature. Qui a tué votre père? Nous ne connaissons pas le nom de l'assassin, mais nous pouvons dire avec certitude qu'il a été victime de la dictature somoziste. Dans quelle intention politique? Dans le but politique d'éliminer la figure la plus saillante de l'opposition. Dans le but d'éliminer cet homme qui dénonçait jour après jour la corruption de l'administration, les abus de pouvoir, les tares de la dictature somoziste. Vous appartenez à une vieille famille de ce pays, riche et puissante. N'y a-t-il pas un certain paradoxe dans l'alliance qui vous unit aujourd'hui, face à la dictature, au secteur politiquement situé beaucoup plus à gauche? Il faut dire que mon père a joué un rôle à titre personnel, sans avoir forcément l'accord de toute sa famille. Il faut dire qu'il a suivi une certaine évolution politique. Quand il s'est rendu compte que les forces d'opposition traditionnelles, dans le Parti conservateur par exemple, manquaient de la combativité nécessaire, il s'est tourné naturellement vers des secteurs plus engagés dans la lutte, ceux qui sont vraiment déterminés à mettre fin au sommozisme. Depuis quelques jours, la Prensa reparaît. Cela témoigne de sa force politique et économique. Grâce à son succès commercial, l'entreprise dispose de moyens financiers importants. Preuve en est son équipement moderne de photocomposition. Le journal n'a pas de ligne politique bien définie. Cette rédaction est en fait le point de rencontre de toutes les tendances de l'opposition, de la plus modérée à la plus révolutionnaire. La Prensa permet notamment aux nombreux petits partis politiques traditionnels de se faire connaître, car ceux-ci, composés de notables, n'ont guère d'implantation populaire, surtout en dehors de la capitale. Mais à côté de l'émergence du front sandiniste, il y a une autre force dont le poids politique est grandissant. C'est le mouvement démocratique nicaraguayen, composé d'hommes d'affaires, de cadres, de bourgeois, qui se réclament de la social-démocratie. Leur quartier général se trouve au siège de l'association patronale qui a lancé la grève générale de septembre. Je suis économiste, je travaille dans une entreprise qui importe des véhicules européens et japonais. Je suis ingénieur chimiste, j'ai une entreprise familiale qui produit de la confiture pour le marché national. Je suis agriculteur, je sème du coton, le premier produit d'exportation du Nicaragua. La grève générale que nous avons organisée a eu un grand succès, même si nous n'avons pas atteint le but final, c'est-à-dire la fin de la dictature somoza. Mais le grand succès, c'est que la grève a renforcé la détermination du secteur privé dans sa lutte pour changer le gouvernement de ce pays, pour forger une nouvelle démocratie. Ce fut un succès parce que nous avons montré que le secteur privé fait bloc et offre une troisième voie pour l'avenir du Nicaragua. Nous nous opposons au slogan de Somoza qui prétend que c'est ou lui ou le communisme. Ce n'est pas vrai. Nous avons montré qu'il existe une autre alternative. Mais maintenant, dans la lutte contre la dictature, vous faites partie du Front commun de l'opposition, en tant qu'organisation patronale. Ça veut dire que vous êtes alliés aux communistes d'une certaine façon. Oui, mais c'est une unité d'action. Ce qui se passe au Nicaragua, c'est que tous les groupes d'opposition font abstraction de leur idéologie pour s'unir dans la lutte contre l'ennemi commun. Le combat idéologique entre nous viendra après. N'est-ce pas un jeu dangereux pour des capitalistes comme vous que de vous allier aux communistes? Cela pourrait être dangereux, mais ce serait encore bien plus dangereux de continuer avec Somoza. Ce serait donner libre champ à la seule lutte armée, courir le risque de tomber dans un nouveau totalitarisme de gauche ou de droite. Et puis, nous pensons que ce pays a besoin de changements profonds, qui ne peuvent se réaliser avec Somoza. Quel genre de changement? Une meilleure distribution de la richesse, les libertés civiques qui ont été bafouées dans ce pays. Je pense à la liberté politique qui est inexistante, ce qui explique le vide devant lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Car il faut voir que le régime somoziste s'est appliqué à empêcher toute forme d'organisation politique. C'est ce qui a suscité la lutte armée menée par le front sandiniste. C'est tout de même paradoxal d'entendre des patrons comme vous préconiser une meilleure distribution des richesses. Oui, mais nous croyons qu'une meilleure répartition de la richesse peut contribuer à améliorer l'économie en général, au bien-être de tous, pas seulement d'un petit groupe. Mais vous êtes vraiment prêt à consentir des sacrifices dans le sens de cette redistribution du revenu national? Non seulement nous sommes prêts, mais nous avons démontré que nous sommes disposés à en payer le prix. La lutte contre la dictature de Somoza, en particulier du fait des grèves, a coûté très cher à beaucoup d'entre nous. La plupart des possédants ont gagné le camp de l'opposition, mais ils craignent aussi la victoire des révolutionnaires, qui supposerait notamment un plus juste partage des terres. Nous autres, Nous croyons que le sandinisme n'est pas la solution du Nicaragua. C'est peut-être une aide pour faire tomber Somoza, et peut-être l'aide la plus forte, mais ce n'est pas une solution politique ni économique pour le pays. Mais face à la dictature, ce sont eux qui ont les armes. Alors ces armes, demain, peuvent leur servir à prendre le pouvoir et peut-être tout le pouvoir. Oh, ils ne prendront jamais le pouvoir. C'est pas possible. Le sandinisme ne prendra jamais le pouvoir, je ne crois pas. Nous sommes les satellites des États-Unis. Le Nicaragua, et stratégiquement, c'est un pays très important pour les États-Unis. Nous sommes au milieu de l'Amérique centrale. Ce serait vraiment impossible. Les États-Unis ne permettraient jamais, les autres pays centro-américains ne permettraient jamais un communisme au Nicaragua. Pour que triomphe la solution que vous souhaitez, est-ce que vous comptez sur l'appui des États-Unis? Vous savez, je vais dire une chose qui peut-être est mauvaise, très mauvaise peut-être, mais je dirais que les États-Unis ont été toujours des hypocrites avec nous. Ils sont aidés Somoza toujours, ils aideront n'importe quel qui prenne le pouvoir au Nicaragua, sauf les communistes. Ils lutteront contre les communistes, mais ils céderont quand même. S'il y a une solution démocratique, comme ils appellent ça, ils céderont. Ce gouvernement. Quel est le mal premier qui affecte le mode de gouvernement de cette dictature? La corruption, naturellement. Vous savez, quand on pense à tous ces gens du gouvernement qui sont tellement riches, on a l'impression qu'on habite un pays très très riche, puisque tous, sans exception, les militaires sont riches. Ils commencent de lieutenant en sortant de l'académie, et quand ils arrivent à capitaine de l'armée, ça va lieutenant, capitaine, major, colonel, général. Quand ils arrivent à capitaine, ils sont déjà milliardaires. Comment pouvez-vous vous expliquer ça si ce n'est pas par les vols, puisqu'ils gagnent $200 en lieutenant, $200 en parlant en dollars, pour que $200 ça fait 1500 cordobas. Quand ils arrivent à capitaine, ils gagnent 2000 et quelques. Et déjà, ils ont de l'argent. Déjà. Comment volent-ils? Il y en a tellement de façons de voler. Vous savez, par exemple, il y a quelqu'un qui est tombé en prison. Pour sortir de la prison, il doit payer une quantité d'argent. Ça ne passe pas pour l'État. Ils ne donnent pas de reçu d'État. C'est de l'argent de poche pour eux. Il y a une personne qui va aux États-Unis pour acheter des choses. Il vient au Managua. La douane prend toute la valise parce qu'il y en a trop de choses. Alors il va chez un militaire. Et à ce moment-là, le militaire va faire sortir la marchandise, mais il prend la moitié, ou il prend une partie. Et ils arrivent dans un ministère, ils demandent une permission pour avoir, disons, les droits d'avoir une ligne d'autobus dans la ville. Ils ont toujours. Tous les autobus de Managua, ce sont des militaires. Les taxis de Managua, ce sont des militaires. Il y en a tellement de choses. Les services publics, par exemple, le téléphone, le télégraphe et tout ça, c'est gouverné par des militaires. Les militaires contrôlent aussi une partie importante des terres, je crois. Oh. Énorme. Énorme. Chaque année, il y a un changement de commandant dans les villes. Ça veut dire des chefs militaires. Dans chaque ville, il y a un chef militaire qui est un colonel en général, dans chaque ville importante. Et ce type, quand il part de cette ville, il laisse toujours une ferme, une petite plantation, quelque chose qu'il a acheté pendant qu'il était là. Alors, vous pouvez par exemple voyager entre Managua et ma ville, Jinotega, 170 km. Et la moitié de cette parcourue, d'un côté et de l'autre, c'est des militaires. Nous autres, les personnes qui ne sont pas avec Somoza, ils payent tous ces impôts. Tout le monde doit payer exactement ce qu'il doit payer dans les impôts. Tandis que les Somosiens, les politiciens ou les militaires ou les copains d'eux, etc., ils trouvent toujours une façon de s'en sortir et de ne pas payer les impôts ou de payer le minimum. L'exemple le plus frappant de cette corruption généralisée, c'est évidemment Managua, la capitale. Détruite par un tremblement de terre en 1972, elle n'a pas été reconstruite. On estime que la quasi-totalité de l'aide internationale a été détournée au profit de Somoza et de son clan. Ici, c'était le centre de la ville. Il n'en reste rien, sinon quelques ruines. Le gouvernement a interdit toute reconstruction dans cette zone pour de prétendues raisons de sécurité. Le prix des terrains s'est effondré, les Somossas les achètent à bon compte, et l'on s'attend à ce qu'un jour, l'interdiction de construire soit levée. Ainsi vont les affaires au Nicaragua. Cela n'empêche pas le président Somoza de nier les évidences et de chanter ses propres louanges. Primeramente, quiero decirle de que imprimí al Partido Liberal ideas liberales y algunas socializantes para ayudar a la gente pequeña en Nicaragua. Segundo, considero de que he sido víctima de los actos de Dios en el sentido de que el terremoto de 1972 hizo que la ciudadanía me pidiera nuevamente en 74 a volver a ser presidente. Porque yo fui el que salvé esta ciudad, a la ciudadanía, el que le organicé toda la distribución de comida. En 7 días organicé la distribución de comida para 600,000 personas. He hecho, pues, hice obras y entonces, por esa razón, considero que ese sismo tuvo una gran influencia en mi vida. Vous savez que chaque fois que l'on parle de vous, c'est pour formuler de graves accusations, notamment à propos de votre immense fortune et des moyens mis en œuvre pour l'accumuler. Que répondez-vous à ce genre de griefs? Bueno, la manera que nosotros contestamos a esas acusaciones es de que están a la orden de quien quiere verlos, los libros, porque toda nuestra propiedad aquí es del dominio público. Y nosotros recibimos anualmente, los que manejan fondos, un finiquito de parte de las autoridades de la Contraloría en el país. Lo que pasa es de que Nicaragua hace 40 años el acre valía centavos. Y como Nicaragua fue puesto por este partido y por el gobierno en el mercado mundial, esos acres han subido vertiginosamente, acres que se compraban en centavos de dólar en los años 30, hoy en día valen $1,500 por acre. Esa es la riqueza, no es exclusiva de Somoza, es la riqueza de todos los nicaragüenses que han contribuido para hacer a este país más progresista. En fait, le quart des terres cultivables appartiennent à la famille Somoza, sans parler des fabriques de cigares, des assurances, des entreprises de transport maritime et aéronautique, des banques et de nombreuses autres entreprises. Je ne crois pas qu'il y a des personnes honnêtes qui voudraient être somocistes. Surtout des personnes encore jeunes qui sont dans les affaires. Je ne crois pas. Il faut être un peu sale pour être somociste. Ça, c'est vrai. Les Somoza possèdent aussi un quotidien, Novedades, instrument d'une propagande grossière. On y accuse les hordes sandino-communistes d'avoir ravagé les villes insurgées. Por intermedio de la Secretaría de Información y Prensa de la Presidencia de la República, presenta a todos los hogares de la nación con un mensaje de amistad del gobierno de Nicaragua y con la orientación oportuna y necesaria para toda la ciudadanía. Del gobierno nacional, que junto con nuestra institución armada vela por la integridad y la soberanía de la patria y por los más altos intereses del pueblo nicaragüense. Cette propagande ne convainc pas grand monde. Les Nicaraguayens sont infiniment plus sensibles aux arguments du front sandiniste qui se réclame d'un héros national, le général Sandino. Dans les années 30, cet homme du peuple de sang indien lutta à la tête d'une armée de paysans contre l'occupation de son pays par les troupes des États-Unis. Il se plaçait dans la droite ligne de la prestigieuse révolution mexicaine. dónde está. El pueblo está preguntando, algún día lo sabrá. La tumba del guerrillero, dónde está. Depuis une quinzaine d'années, le Front sandiniste a donc constitué des maquis dans les montagnes. Au Costa Rica, nous avons pu rencontrer Victor Tirado, chef militaire du Front, et Gustavo Ortega, l'un des chefs idéologiques qui a passé 7 ans en prison et fut libéré à la suite d'une prise d'otage. Mais quelle est au juste la force de cette armée et ses chances de l'emporter? Il est vrai que quelques-uns de nos camarades ont combattu dans les maquis et ont acquis une formation militaire solide. Mais en ce moment, le front est en train de constituer son armée, en improvisant selon les situations, en s'inspirant aussi de certains exemples, de certaines expériences à l'étranger. Nous voyons ce que nous pouvons en retenir. Aplicar a ese nuevo ejército. Nosotros vemos la terminación de Somoza a un corto plazo. Mais de toute façon, nous pensons que Somoza n'en a plus pour longtemps. Il ne peut plus faire illusion. Il n'y a qu'à considérer la situation économique, le chaos, le désordre, les bombardements. Ces seuls éléments permettent de dire que le somozisme ne durera pas. S'il arrive à se maintenir encore au pouvoir, disons une année, ce sera grâce au diable. Avec quel secteur de l'opposition le Front sandiniste est-il disposé à collaborer au lendemain de la chute de Somoza? Le Front sandiniste est disposé à collaborer avec toutes les forces de l'opposition qui sont prêtes à s'engager sur un programme minimum commun. Quels en sont les points principaux? L'expropriation des biens de Somoza. L'expropriation des biens de Somoza et la constitution d'une nouvelle armée. Si demain nous collaborons avec d'autres au sein d'un gouvernement de transition, eh bien nous pensons que ce gouvernement demandera au peuple où il veut aller. C'est le peuple qui décidera vers le socialisme ou vers une démocratie bourgeoise. Le peuple décidera si c'est le socialisme. O si se mantiene dentro de una democracia de corte burgués. Ce sera pour la prochaine génération. Notre affaire, c'est le renversement de la dictature. Après, eh bien, les gens iront là où ils veulent aller. Si la dictature de Somoza prend fin demain, est-ce que le Nicaragua a des chances de devenir un second Cuba? Je ne crois pas. Et la dictature a fait créer une image fausse de la situation politique. Le peuple, son avant-garde, cherche aujourd'hui avant tout la fin de la dictature et ce que nous cherchons, c'est la formation d'un gouvernement démocratique dans notre pays. Et ce gouvernement démocratique, il ne peut être possible qu'avec la fusion avec les autres forces politiques qui agissent dans notre pays et qui se trouvent du côté d'une bonne partie de l'opposition traditionnelle dans notre pays. Une fois Somoza parti, ces forces hétéroclites vont se diviser sur l'usage qu'elles entendent faire du pouvoir. Alors, quelles sont les forces les mieux placées pour les lendemains? Il y a une force qui va être difficile d'écarter, n'importe quelle soit la solution qu'on trouve après Somoza. C'est les cris du peuple qui a besoin de manger, qui a besoin de s'habiller, qui a besoin d'un habitat, qui a besoin du travail. C'est-à-dire que les besoins populaires se feront sentir fortement et comme au moment où l'on aura constitué un nouveau gouvernement. Combien d'enfants avez-vous, madame? 8. Et en tout? 12. Avec quelles ressources vivez-vous? Mais concrètement, comment faites-vous? Comment est-ce que vous achetez votre nourriture? Que trouve-t-on à la décharge? Par exemple, aujourd'hui, qu'allez-vous manger? Au malheur de tous les déracinés qui croupissent dans leur bidonville, il faut ajouter la détresse des centaines de milliers de petits paysans sans terre, soumis à un véritable servage. Ces masses qui représentent la majorité du peuple nicaraguayen n'attendent pas seulement la fin d'une dictature sanguinaire et corrompue, elles attendent une vie plus juste et plus digne. Qui relèvera ce défi? C'est la question qui se pose aujourd'hui à toute l'Amérique latine. Somos pobrecitos, pues que pasamos de lo del día y hay veces que ni ajustamos. Somos cuidanderos. Muy pobres. Sí, somos pobrecitos. De lo que jornalera, pues el marido mío y lo que yo hago en el día lavando ajeno. Sí, somos pobrecitos. Tenemos 2 años de estar aquí en este lugar. ¿Vous avez des animaux? No. ¿Por qué? Nada, nada. Tenemos ni gallinas ni nada. Porque más o menos usted sabe que el que anda en lo ajeno no puede tener nada. Porque a la hora de pensar le dicen, desocúpeme la casa y tiene que irse uno. No, por eso no tenemos nada. Solo el alma en el cuerpo tenemos. Somos pobrecitos. Quand vous pensez à l'avenir de ce continent, est-ce que parfois vous n'avez pas quelques craintes qu'un jour il y ait une explosion dans cette partie du monde? Depuis quelques années, depuis 2 ou 3 ans, on a cette impression. Tout le monde dit qu'il faut garder pour l'avenir. On ne sait pas si demain, la ferme qu'on a, les plantations qu'on a seront à nous, ou si les lois sociales seront tellement dures qu'on devra vendre et partir, ou rester dans son coin avec l'argent dans la banque, et recevoir simplement les intérêts. À long terme, ce pays pourrait-il devenir communiste? À long terme, oui. Je crois que tous les continents américains peuvent devenir. Tous les continents latino-américains, je veux dire, peuvent devenir communistes. Je crois. Mais à très long terme, quand toute la population soit bien élevée, enfin soit... Au Nicaragua, il y a les 75% de personnes qui ne savent pas lire ni écrire. Ça, c'est terrible. Alors, ces gens, si un jour ils se réveillent, ils peuvent lire, pas les mensonges de novedades, mais des choses vraies, alors ils pourront comprendre qu'il y a d'autres choses que des haricots et du riz et du travail avec les machettes et les choses comme ça. Et ils demanderont ce droit d'avoir toutes les choses que tout le monde a eues, enfin qu'une partie de la population de Nicaragua a eues pendant toute sa vie. Finalement, est-ce que vous avez eu le temps de vous enfuir? Oui, après le premier bombardement. Vamos, toquémoslo, llevámoslo para la casa. Este es obra del Hitler de Nicaragua. Sí, hombre que con nadie se mete, un honrado trabajador que solo trabaja a su casa. Dale, cuñado. Ah, me veremos. Ay, por cómo te quitaron la vida. Ces ruines sont celles d'Esteli, la ville la plus touchée. Pas une seule maison du centre n'a été épargnée. Les bombardements et les combats ont fait quelque 3000 morts. Les survivants nous interpellaient dans la rue, malgré les risques, malgré les mouchards. Ils tenaient à nous faire entendre ce cri de détresse et de colère. Il faut dire une chose au monde, que cette destruction d'Esteli, ce n'est pas les sandinistes qui ont fait ça. C'est la Guardia Nacional qui a fait tout ça. Lo peor es la aviación, 8 días que nos voló. Si ustedes registran casa por casa cómo está y pegaron fuego, esto no tiene nombre las naciones del mundo. Deben de protegernos, esto es demasiado. Si esto debía haber sido por tierra, nunca hacer esto que hizo este hombre. Ya le digo, hasta el día en que él bombardeó, nosotros éramos liberales y éramos con él. Pero al ver este crimen que ha hecho, no, ni que nos cuenten. ¿Sabe que nos van a dar? Hasta pésame nos van a dar y van a decir que son ellos los comunistas. Aquí nada, en mi casa los sacaron adelante. Nosotros estábamos encerradas y los pobrecitos, vea, murieron por nosotros. Correcto. Soy socorrista de la Cruz Roja de aquí, nicaragüense, filial Estelí, y presté servicio toda la temporada que nosotros estuvimos bajo guerra. ¿En qué condiciones habéis podido hacer vuestro trabajo? En condiciones muy adversas a las que tiene la Cruz Roja, o sea que no teníamos garantía de ninguna clase, estábamos imposibilitados a movernos porque las garantías eran para nosotros nulas. ¿Los soldados de la Guardia han tirado sobre ustedes? Sí, los soldados de la Guardia dispararon sobre nosotros, matándonos en la unidad de la Cruz Roja a una paciente. Y nos quitaron una paciente, un herido civil, por el hospital, y de ahí lo ametrallaron a nosotros, intimidándonos a nosotros, pues la Guardia Nacional. ¿Aviez-vous les moyens de vous protéger des avions? Sí, de las casas, pero protegerse por las paredes, pero no le valía nada, las paredes no te los protegen. Lo mataban. Le président Somoza nie avoir bombardé les villes. « Je n'ai pas une véritable aviation », déclare-t-il. Or, nous avons réussi à photographier ces avions sur l'aéroport de Managua. Des Casas de fabrication espagnole. Des Arava israéliens. Des bombardiers B-26 de la dernière guerre. Des jets américains T-33. Mais comme les insurgés n'avaient aucune défense aérienne, c'est avec de simples Cessna de tourisme que les roquettes ont été larguées à basse altitude. Los guardias andan drogados, andan bolos y les importa nada, son unos... nouveau septembre noir. En 10 jours, la garde nationale du président Somoza reprend les villes qui étaient passées sans coup férir aux mains de quelques guérilleros descendus des montagnes. L'opération des révolutionnaires a tourné à l'insurrection populaire. L'armée engage des armes lourdes, l'aviation et les blindés. Des cortèges de fuyards tentent de quitter les lieux des combats. C'est l'heure du massacre. Qu'est-ce qui se passe, madame? Et vos enfants, ils ont pu se sauver? Vous avez 3 enfants. Et où sont-ils maintenant? Plusieurs villes, Masaya, León, Matagalpa et surtout Esteli, sont en ruine. Après le pilonnage, alors que toute résistance armée a cessé depuis longtemps, la garde nationale se livre à une impitoyable répression. Elle liquide sur le champ tous ceux qui ont pu participer à l'insurrection. Pourquoi l'ont-ils tué? Qui l'a tué? Una guardia que pegaba fuego ahí y después culateaba las puertas, sacaba a las madres y le decían fuera a todas las mujeres y déjenme a los hombres aquí, hínquense todos en fila, sacando cada uno la guardia hincados de rodillas. Y como mi niño estaba más pequeñito, el balazo era por aquí. Ay, el mío lo tengo enterrado allá, mire. Lo sacaron y lo mataron arrodillado, eran 3 ellos, eran 4 donde lo sacaron a ellos y él, le dieron 2. A esta calle recta, mire, estaba muerto en la calle. 2 cuadras de aquí, mire, lo sacaron y tenía 15 años, mi muchachito. ¿Pourquoi l'ont-ils tué? Por gusto, es que no andaba en estas cosas, si era chavalito. Lo hincaron, mire que lo hay arrodillado, muerto. En la otra casa estaban mis hermanos también y por nada los mato. Fue un milagro de Dios que no lo hayan matado. Yo gritaba y le pedía a Dios que no me los mataran a mis hermanos. Y fue un milagro de Dios. Como no le pedí a Dios que no me los matara. Estaban ahí cerca los malditos asesinos. Solo les decía